salut tout le monde. Alors aujourd'hui, bon, ça commence mal. Non, salut salut les amis. Ah ouais, c'est vrai. Hey, salut les amis. Alors aujourd'hui, on a décidé, enfin là, c'est plutôt moi, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la reconnaissance des végétaux. Alors, pas moi qui vais faire la reconnaissance, c'est toi. Alors, comment t'appelles dans la vidéo? C'est moi. On va l'appeler Julie parce que c'est son prénom. Donc, c'est parti. On va faire un peu de reconnaissance et voir un petit peu. On va voir quoi? Des plantes. Des plantes? Ok. On va voir si tout se passe bien et si elle reconnaît toutes les plantes. Alors, c'est parti. Pour information, dans cette vidéo, c'est juste un test pour voir un petit peu ce que ma femme pense de tout. Pour information, pour cette vidéo, c'est exceptionnel, mais ça peut... En fait, il voulait dire pour information, c'est juste pour voir si moi je connais les plantes, alors que lui il connaît tout et que moi, C'est ça, on va faire un test. Alors on commence, où tu veux. Allez, là, juste derrière. Allez, c'est parti, tu me suis? Voilà. Ici, on a des grandes plantes. Tu les vois les plantes? Ouais. Tu nous les montres? Pas la bouteille. Hein. Sachez ce que c'est. En dessous. Alors c'est quoi? Alors on va faire un gros plan après. On dirait des haricots, mais c'est pas des haricots, c'est des fèves. On n'est pas loin. Ben alors, pourquoi tu dis on dirait des haricots? Parce que tu me l'as dit la dernière fois et moi je pensais que c'était des haricots au début. Ah. Non, c'est des fèves. Alors est-ce que tu sais comment ça pousse les fèves? Tu peux nous le dire peut-être? Comme les haricots, du coup. C'est-à-dire? On plante la graine. Et puis ça sort et puis voilà. On plante une graine. Non, on sème une graine. Alors on va voir en même temps le vocabulaire parce que c'est vrai que chaque fois dans mes vidéos je vous parle de termes peut-être techniques et pour certains ça marche, pour d'autres non. Là ça n'a pas marché apparemment. Donc on fait quoi avec cette graine? On sème des graines. On sème des graines et on plante une plante. Ou alors des plantules. Des plantules. Ou alors des petites plantes. Des petites. Bah, des plantules quoi. Ok, tu là c'est un sans faute. Un gros plan sur ma tête. Ok, bon, on va dézoomer. Voilà. Donc là, premier check, la fève, c'est réussi. On va aller voir derrière, tiens. Alors, ok. Là, c'est un peu plus costaud. Allez, bah la première, celle-ci. Non, ça, je sais. C'est quoi? C'est un tournesol. Ok, et comment je l'ai planté, celle-ci? Si tu l'as pas planté, à mon avis, la graine, elle est tombée tout seule. Ok, c'est les graines que je donne aux poules, donc elle a tout à fait raison. Deuxième point. Ensuite, alors là, les plantes en bas, là. Alors, on va s'abaisser comme ça, ils pourront tous voir. Ça là. On dirait des poireaux. Ah, c'est de la même famille. C'est pas trop mal. C'est pas des poireaux. Non, c'est un condiment. Mais c'est des oignons. Ah, ça pue l'oignon d'ailleurs. Ouais, ça pue l'oignon. Tu peux goûter même. Vas-y, tu goûtes. Je prends une feuille comme ça. Ouais, vas-y, tu peux manger ça. Ça, je peux le manger. Ouais. Si tu meurs, on verra. Ça passe? Ça le goûte feuille. Ah non, un petit peu. Bah ouais. Je fais pas que des conneries au final. Ok, là-bas, un peu plus dur. Non, ça je sais, c'est des choux. Mais alors quel chou? Ouais. Et troisième point. Et en fait, je vais pouvoir arrêter de faire la vidéo, celle qui va reprendre. Non, c'est pas des choux-fleurs, non. Des choux. Des choux. Choux-cabus. Ouais, choux-cabus. Comment tu connais ça? Bah parce que des fois, je l'entends dans tes vidéos. Ok. Et elle regarde mes vidéos en plus. Ok, parfait. Donc là, on a que du sans faute. Plus difficile, tiens. Là, ici, il y a tout un tas d'adventices. C'est des mauvaises herbes. On va dire ça. Alors c'est difficile de filmer. Est-ce que ça, tu reconnaîtrais? Même si c'est une adventice, mais c'est pas une mauvaise herbe. On dirait des tomates. Eh ben oui, parce que c'est des tomates. Alors, cette plante-là, je les avais plantées pour des choux-fleurs. Mais c'est pas des choux-fleurs, c'est une erreur de mes élèves. On dirait les... C'est les salades asiatiques, là. Ouais, c'est vrai que ça ressemble, mais c'est pas ça. C'est des choux blancs aussi. Des choux blancs. Sauf là-bas, il y a... Alors, tourne. Là-bas, c'est vraiment un chou-fleur, c'est le seul. Et c'est quoi la... Bah, en fait, j'avais planté ça. Un chou blanc, c'est quoi la différence? Parce qu'il va pas faire de fleurs, celui-là. Donc, il sert à rien. Bah, on va le manger, mais comme... comment ça s'appelle? C'est dans des potées. Ah, c'est les choux comme ça? Ouais. Alors là, une nouvelle plante. Ça fait 3 mois qu'on en mange, elle en a marre. C'est des épinards. Et ouais, on adore les épinards. T'adores les épinards? Non, on en est marre. Voilà, quand on mange tout le temps, bah voilà. Et qu'est-ce qui. Comment ils sont là, ces épinards? Pourquoi je les laisse comme ça? Parce que pour récupérer les graines, non? Ouais, là tu vois, ils sont en fleurs. Il y a peut-être du pollen. Non, il n'y a pas de pollen. Ils sont en train de monter en graines. Là, tu vois, non, et donc... on voit pas plus là. Peut-être. Ouais, je filmerai et puis je te mettrai un plan là. Ah si, regarde, j'en ai plein les doigts. Ah voilà. Et donc ça, on va laisser monter à graines pour récupérer les semences et l'année prochaine, en refaire. Je veux dire un petit mot, Nathan. Continue. Ok, pas mal. Ça, je sais ce que... Merde, je la refais.
Du coup, ça, je sais ce que tu sais que je sais. Non, ça, je sais que tu sais. C'est des tomates. Ok, c'est des tomates. Mais... noires de Crimée. Non, pas des noires de Crimée. Ah, j'y étais presque. Mais c'est une autre couleur. C'est parce que c'est bleu. Donc, eh ben, ça voilà, doit être des bleus ou des noirs. Eh ben, voilà, je vais arrêter mon taf, moi. Ouais, c'est bon, c'est moi qui reprends la chaîne, en fait. Ouais, vas-y. L'écoutez plus, en fait, il y connaît rien. C'est moi qui lui ai tout appris. Non latin de la tomate, vas-y. Tomatus bleutus. Tomatus bleutus. Pas du tout, c'est Solanum lycopersicum. Et ici, c'est l'ozu blue, je crois, ou l'indigo, une des deux. En vrai, c'est mieux Tomatus bleutus. Non. Pas mal. Ouais. Tu vois là. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui, on va planter des choux, des brocolis. Non, c'est pas ce qu'il fallait faire. Non. Alors, on va faire celle-ci là. Ça? Juste là, ouais. Ça? Ah non. Non. Là, ici. Ça? Ouais. Ah, mais ça, c'est facile. C'est quoi? Mais c'est du basilic. Ok, lequel? Oh là. Ça, c'est le grand vert celui-là. Et derrière toi, là-bas. Là, ici, touche-le et sens-le, celui-là. Ouais. Je touche ça comme ça. Ouais, vas-y. Je fais ça. Attends. Ça pue. Ça sent, je sais pas quoi. Oh, ça sent bon. On dirait la citronnelle. C'est du basilic citron. On adore le basilic. Qu'est-ce qu'on fait avec le basilic ici? On fait du pesto. Du pesto, pistou. Du pistou. Okay. C'est un mélange de pesto et pistou. C'est okay. Du pesto. Ça roule. Ah bah tiens, vas-y, tant qu'on y est encore. Là, ici, là. Je te laisse observer la plante. Vas-y, rapproche-toi. On dirait le truc qu'on met dans les moules. Ah, et c'est quoi qu'on met dans les moules? Du céleri. Ouais, et là, regarde bien, c'est lequel? Observe partout. Observe partout, pourquoi partout? Parce que c'est ça qui va te dire la variété de céleri. Ah, mais c'est le truc qu'on râpe, là, pour faire du céleri râpé, c'est ça, là? Céleri rave. Eh ben, c'est du céleri rave. Ok, pas mal. Et là, il est comment, lui? En fleurs. Exactement, qu'est-ce qu'on va en faire? On va prendre encore des graines pour en planter partout. Ouais. On aime le céleri. On aime tout. Allez, on continue. Hey, pour l'instant, tu t'en sors bien en fait. La serre, ça va. Elle avait... T'avais peur de pas t'en sortir. Mais dans le jardin, je m'en sors pas, c'est la serre, je m'en sors bien. Parce que c'est toujours la même chose que tu plantes dans la serre. Et non, celui-là, tu vas pas trouver. Regarde. Non, ça, je sais pas ce que... Regarde la fleur, c'est la fleur. Tu peux en ouvrir une si tu veux, ça va t'aider. Ouvrir une fleur? Ouais. Celle-là? Ouais, vas-y. Déjà, faut pas savoir l'ouvrir. Ils sont pas encore bien développés. Bah alors je sais pas ce que c'est. C'est un coque. Je sais pas. Un coquelicot. Eh ouais, pas mal. Alors on va dehors parce qu'apparemment c'est plus dur dehors. Non mais sauf ça il est fraîche, je le sais. C'est normal. Peut-être je vais pas te le demander ça. Alors pour info, aïe, des orties. Ok, alors juste derrière, donc ça tu le sais. Ouais, ça c'est les framboises. Okay, les framboises, et tu connais le nom latin? Framboisus. Framboisus. Pourquoi pas? Et regarde, il y a plein de nos amis là qui viennent butiner. Ils sont... Il est là. Plein de bourbus, des bourdons. Donc Rubus Idaeus pour le framboisier, au passage, si tu veux demander. Rubus Idaeus. Idaeus. Ok. Alors on continue. Ah tiens, celle-là. Hop, pas les orties, hein. Celle-là. Ici, là. Je le sais. Ah mais c'est la rhubarbe. Ouais, pas mal. Pour faire des tartes. Rhubarbe. Et là juste derrière. Non, ça on le sait, on l'a vu dans la série vidéo. C'est des asperges. Qu'on aura d'ici 2 ans à peu près, c'est ce qui était dit dans la dernière vidéo. Eh bah tiens, va nous faire la partie technique de l'asperge. Vas-y. On prend l'asperge, on la plante. Qu'est-ce qu'on plante? La fleur de l'asperge? Non. Non, ça fait pas de fleurs. Vas-y, ça fait des fleurs. Bah alors qu'est-ce qu'on plante? Une racine qu'on appelle une griffe. La griffe. Ouais, la griffe. On prend la griffe. Ouais. Et puis après, bon, on attend 3 ans. Avant d'avoir des asperges. 3 ans. Bah, là, disons qu'on pourrait les manger, mais on les fait grossir en fait. Ah, pourquoi il y en a là? Bah ouais, bah tout ça là, les gros trucs. Là. Les gros trucs là, ça c'est des asperges. Ouais. Ça. Des asperges qui sont montées justement. Ah. Là derrière, on a des petites de cette année. Pour ça. C'est long, très long parfois le jardin. Ouais. Bon, on va où? Je sais pas. Allez. Je vais faire attention aux orties là parce que je me suis démonté. Ah, c'est quoi là? J'en sais rien. Si on en a mangé plein cet hiver. On a mangé ça cet hiver. Une sorte de patate. Non, non. Ah, c'est des trucs pas bons là. Ah, c'est bon. Les topinambours. Topinambours. Ouais, c'est le topinambour. Et ça, c'est de la même famille que le tournesol au passage. Tiens,
là une adventice. Moi je la connais celle-là. Je te le dis, c'est le caïcatron. Alors c'est quoi? Mais les adventices c'est des mauvaises herbes. C'est pas tout à fait une mauvaise herbe. Alors c'est quoi l'adventice? C'est une plante qui pousse au mauvais endroit. Où je ne veux pas, si je préfère. Donc quand des fois t'as des tomates qui poussent, ouais, c'est une adventice. Adventice ça veut dire ça doit pas pousser là. Là, le topinambour là, celui-là, bon, je l'ai arraché, il pousse au milieu de mes radis, c'est une adventice. Ça tu dois l'imprimer ça. Donc là ici, bah, c'était le topinambour. Ça c'est le radis, ouais. Ça tu connais. Et ça c'est le gaïgatron. Ça colle. Ah non. Je l'ai collé. Gaïgatron. Ok. Allez on continue. Nous une vidéo si toi tu devais faire une vidéo. Si tu moi, ferais je là. Faire une vidéo, je dirais salut les amis, on aime trop les épinards, mais vraiment trop, ça suffit. Alors on n'en plante qu'une fois, il y en a assez et pas un peu partout dans le jardin. Sinon on fait une overdose de fer. Faut arrêter ça. Ok, voilà. Et comment ça pousse les épinards? Bon, le but c'est que ça soit un peu pédagogue. Tu ouvres un petit peu ta terre. Je sais pas comment tu dis. Ouais. Un petit peu. Et tu mets tes petites graines comme ça. Mais pas beau, faut pas faire des petites détails. On met un petit peu des graines comme ça et tu rebouches tout doucement et t'arroses. Et ça pousse tout seul. Ok, bah, c'est pas mal ça. C'est pas ça? Ouais, si. Je sais pas comment. On... Je sais pas les termes. Mais moi. Tu mets quoi, 10 graines par centimètre carré? Ou 10 graines. Ça me paraît beaucoup ou pas beaucoup? Je sais pas, moi je fais à l'œil. Ok, bon, bah, on verra. Et derrière, c'est quoi la plante là qui colle? Je viens de te la dire. C'est une adventice. Ouais, les gaïgatron. Je vais pas. Ça moi, alors, moi ça, je vais appeler ça la plante qui colle. Gaïgatron, ouais. C'est trop compliqué. Plante qui colle, c'est mieux. Ça marche. Bien. Et hop, ça colle. C'est clair. Ça, je sais où c'est. C'est des pommes. Bon, latin. Pomus. Malus. Malus. Pourquoi quoi, malus prunus? Pomus. Pomus. Je mets des us partout. Ce serait un peu trop simple. Allez, vas-y, va dedans. Là, ici, là, les trucs rouges. C'est de la même famille que le poiré, là, que t'as vu à côté. Ça fait un gros légume racine rouge. Betterave. Ouais, pas mal. Beta vulgaris pour son nom latin. Et entre deux, il y a plein de mauvaises herbes. Est-ce que tu saurais identifier les mauvaises herbes qu'il y a là? Les mauvaises herbes? Bah, adventice, là, celle-là. Celle-là, là? Ouais. C'est de la salade. Ouais, bah, pas mal. Et là-bas? Ça? Ouais. Non. D'un côté. Ah, ça, c'est une tomate. Ouais, et bah, pas mal, tu deviens bon. Elle est tomate, je l'ai connue. Et ça, là? Ça, c'est quoi? Ça, c'est des. Ça, je sais, c'est le chou que j'aime pas, c'est le chou kale. Chou kale. Chou frisé. Ok. Et là derrière les choux, c'est quoi? Des choux fleurs. Non, non c'est des choux blancs encore. Un chou blanc encore. Tu vas en fait, manger un paquet. Que des choux blancs ici. Ça marche. Tu nous emmènes sur quel massif? Ah bah à vous de deviner. C'est un truc rouge, trop bon, qui pousse dans la terre. Ok. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, c'est parti. Si t'en vois une pour moi, ça c'est preneur. J'ai vu une grosse araignée par contre. Elle aime pas les araignées. Alors, je sais pas si pour vous, mais nous, cette année, on a la blinde de limaces partout, et c'est vraiment pénible. Tiens, j'en ai beaucoup, et voilà. Ça manque de soleil. Mais c'est quand même trop bien. C'est vrai. Alors, comment on cultive la fraise? Alors, j'en sais rien. Je sais juste que toi, des fois, tu récupères les trucs sur les feuilles. Les stolons. Mais je connais pas les termes. C'est les stolons. Tu récupères des trucs sur les feuilles. Ouais. Et puis, enfin, tu dis, chérie, tu peux couper les trucs sur les feuilles. Et puis après, toi, tu les plantes dans la terre et ouais. Ça refait des fraises. Ok, bon, c'est à peu près ça, ouais, c'est pas mal. Je sais pas trop après comment ça pousse. Sinon les... Elle adore aussi les pois, les petits pois, les fers et tout, c'est cool ça. Ouais, ou faux? Ok. Bon, voilà, c'était pas mal pour une première reco. On en refera d'autres. Tu veux? Ouais. On fera sur toi pour voir si t'arrives à différencier mes trucs. Ok, mes trucs. Ah bah. Mais j'ai pas de plan. Bon, bah ça va être facile. Bon, en tous les cas, voilà, je te laisse mettre un petit commentaire au cas où. Qu'est-ce que tu peux me dire encore? Qu'est-ce que je peux dire? Eh ben, à la prochaine. Ouais, et puis un petit pouce bleu et on partage. Alors, salut tout le monde! Salut!